Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Agonarma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance vidéo sur Vintage Story. Alors aujourd'hui on va tout simplement commencer à voir 2-3 trucs. Dans cette séance, ce que j'aimerais bien démarrer c'est le cuir, tout ce qui est baril, fabrication du tanin, de l'eau de chaux et tout ça, donc du coup de la meule et tout ce qui va avec pour fabriquer du coup tout ce qui touche au cuir, ouvreux, deux fois que j'ai fait au cuir, pardon, je sais si j'ai bien dit. J'aimerais aussi lancer ici, à cet endroit, la construction de notre premier entrepôt pour y stocker notamment tout ce qui va être pierre, bois, terre et tout ça dans des conteneurs, dans des trucs. Donc, pensez directement à un entrepôt assez grand sur 2 voire 3 étages qui plus tard peut-être abritera partie d'une forge avec un moulin et tout ça. À voir pour ce plus tard. Comme vous avez vu dans le petit prologue que vous avez eu, enfin dans la petite off que j'ai fait avant, j'ai récupéré un peu de nourriture, j'ai récupéré un peu de. J'ai fait des coffres de rangement, des établis, des choses comme ça, pour ranger, pour stocker, pour que ce soit déjà un peu mieux rangé, plus lisible. L'escalier, ça vous l'avez vu à la fin du dernier épisode. J'ai, comme vous l'avez vu, récupéré un petit peu de nourriture en stock, histoire de. Voilà, de ne pas devoir courir les 30 secondes chercher de la nourriture. Et en réalisant le petit intro, j'ai vu qu'on avait un peu de baies ici. On va les récupérer. Merveilleux. Voilà, donc pour le cuir, on va commencer par la base. J'ai envie de dire, dans un premier temps, on va créer tout ce qui concerne les tonneaux. Tac, tac, voilà. Donc, hop, H, les tonneaux, les barils, voilà. C'est les barils que je veux. Donc, on fait ça. Dans le premier exemple, on va en faire que 3, ça suffira pour commencer. Parce qu'il y a 3 étapes. Bon, je vais mettre ça ici. Ça va pas y rester, c'est du temporaire. Ça va me permettre de, après, de mettre ça dans l'entrepôt. Donc, dans le premier, on va mettre l'eau de chaux, le tanin dilué, puis le tanin concentré. Pour ce faire, on va tout simplement avoir besoin également d'un seau. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Et pour se faciliter la vie, on va se mettre une source d'eau tout de suite à côté. Plus tard, à s'en reboucher. Hein. Voilà. L'avantage, c'est que c'est pas comme dans Minecraft. On peut mettre de l'eau à l'infini. Ça pose pas de problème. Dans la même source, avec un seau. Là. Et 50 litres ici. Et 50, ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, il nous faut du chêne. Ça tombe très bien, je sais exactement où il y en a. Plus ça tombe bien, on aura besoin de cuir. Ça, une de mes victimes. Ah oui, d'accord. J'ai même pas eu assez pour le finir. Hein. Ok, donc me voilà avec un bon stock de chêne pour commencer. C'est très bien. Alors,
Donc, on va commencer par réaliser un terrain dilué dans 2D barils. Pourquoi? Parce que dans l'un, on va faire un tanin dilué qu'on va laisser en tanin dilué, et l'autre, on va reconcentrer le tanin afin d'avoir un tanin concentré. Pour faire du cuir, ceux qui ne savent pas, il faut faire tremper nos peaux dans de l'eau de chaux pendant 24 heures. Une fois l'eau de chaux, une fois avoir fait tremper nos peaux dans l'eau chaude suffisamment longtemps, on peut gratter nos peaux et les faire tremper pendant 3 jours dans de l'eau, dans du tanin dilué, puis de nouveau 4 jours, 5 dans du tanin concentré, ce qui veut dire qu'il me faut plus d'une semaine pour réaliser du cuir. Donc, je vais commencer sur cet épisode et ce sera fini prochainement sur la prochaine session. Ou peut-être que je laisserai en off, je ne sais pas, je verrai bien. Donc ça c'est fait. Il nous faut maintenant des armes. Et il est 30% séché, donc ça ne sera pas ça notre arme. Nous allons donc utiliser des lances. Petite session, lance. Ok. Hop. Et hop. Voilà. Bon, c'est un peu classe que là, on va quand même récupérer des trucs. Le bois, je vais le stocker là en attendant. Mais plus tard, on va évidemment y faire un baril pour ça. Enfin, une caisse pour ça. Hop, voilà. Donc c'est parti. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter du cuir, de la viande. Donc en plus, un peu plus de réserve de nourriture. Et peut-être, si on a de la chance, un peu de glace. Avant de partir, j'arrose ça vite fait. Malheureusement, il a fait trop chaud pour mes navets. Du coup, j'ai perdu une partie de mes navets. Je pose ça vite fait et je repars. Ce coup-ci, c'est la bonne, on y va. On va chasser la régulière. La bête est acculée. Ouf, je l'ai vu. Génial. La première bait. Tant que je suis là et que j'y pense, je vais récupérer du roseau pour réaliser quelques paniers en roseau qui vont me servir à faire des pièges en roseau pour la capture des poules. Donc ça peut être intéressant. Oh merde. Regardez, c'est marrant avec ça. Hop,
faire des couteaux en os si vous n'avez pas de bâton. Voilà, petite astuce, c'est cadeau. Si vous le saviez pas. Ça me fait chier moi en fait. Et en vrai. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Regardez, je me suis fait une magnifique faux qui peut permettre de récolter le roseau, notamment quand tu te dispatches comme ça. C'est pour ça qu'elle a été fabriquée, hein. Clairement. Ah oui? Mince. Hein? Donc la faux, pareil, il y a deux options. Une fois, on va retirer l'herbe, hein. Comme ceci. Bon, en fait, on va carrément récupérer l'herbe. Mais en même temps, on va l'enlever, plus qu'elle soit là. Il y a une option juste, on récolte l'herbe. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent. Mais le problème, c'est que une faux en cuivre, ça s'use très vite. Non, parce que là, j'ai mis l'herbe ici, mais non. Ah, d'accord, que ça va. Là. C'est très bien. Je n'ai plus de bâton. Pour les bâtons, bah rien de vaut les petits buissons. Avec des branches, donc ça sera mieux. Et donc, normalement, si je ne me trompe pas dans ma recette, si on fait ça et ça. Voilà. On obtient ces petits casiers. On va aller poser. Alors, les casiers, la subtilité, c'est qu'ils doivent être levés tous les 24 heures. Avant les 24 heures. Donc, c'est-à-dire que là, je vais les poser et il faut que tous les matins, au réveil, j'aille lever mes casiers. Alors, je sais pas si le fait de les mettre loin ou non, près des poules ou non, ça aide. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test. Je vais en mettre un ici. Et un ici, voilà. On va se rappeler de cet endroit là, comme ça je saurai. Voilà, un piège. Alors, on va même l'épingler avec une couleur violette. Hop. Ça je saurai que ici il y a des pièges à enlever. Hop. Ça c'est fait. On va essayer d'aller trouver encore un peu de loup à tuer. Pourquoi les loups principalement? Parce que les loups c'est chiant, ça peut vous tuer. Et notamment que en plus ça respawn facilement, c'est spécial. Donc voilà. Ah, il faudrait que je me prépare tout ce qui est goré. Oh, génial. Ça c'est bien. Hop. Hop. Voilà. Voilà la ruche. On l'entend de loin. Elle est là. Voilà, donc il faudra que je repose des fleurs évidemment. J'en ai plein à la maison, je les ramènerai si jamais. Quand j'installerai ma ruche. Il y a des gros chênes ici, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je vois là? C'est. Évidemment, il va falloir refaire une session. J'irai farmer une session de terre. Dans le but de. Je récupère plus rien parce que j'ai plus de place. Ok. Mais on va se débarrasser de ça. Pas du la ressource.
faire ça. Et du lin. Alors là, bon, bah une pelle on jette et puis le lance on va en jeter une. Allez. Bon, il est leur rentrée. Oh. Bah ça je vais me le noter. Je vais aller chercher juste après. Et ça, ça veut dire que s'il y en a un là, potentiellement je peux en trouver d'autres dans le coin aussi. Hein. En tout cas niveau bouffe, là je suis tranquille quelques jours. Ça c'est plaisant aussi. On fera pas de cuivre dans cette session. Ok. De retour à la maison. On va tout de suite aller poser. Il fait nuit noire là-dedans. Très agréable. Alors, on va tout de suite poser la bouffe. On va couper des trucs, c'est pas grave. Hein. Hop, 7 jours. Bon, ben voilà. On va aller ranger le reste. Ça va là, ça va là. Tac, 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 tac. Alors, de l'épaule, je n'en avais pas, visiblement. Du moins, tout est planté, sûrement. Ça va là, un deuxième. Voilà. Excellent. Et le cuivre. Si, si. Ce qui est intéressant, du coup, on va commencer parce que ça va prendre du temps sinon. Pierre de chaille, pierre faiblement fertile. Je n'ai pas de craie visiblement. Non, ok. Alors pour la craie, on va pas s'embêter, on va en chercher tout de suite. Il m'en faut quelque chose comme. Comme. J'ai oublié. Ok, donc nous y voilà. Alors le mieux c'est de se faire une meule, parce qu'une fois qu'on a fabriqué la meule, bah c'est bon, en fait c'est worse. Mais si vous n'avez pas de meule, ou que vous n'avez pas fabriqué de meule, vous n'avez pas l'occasion d'en fabriquer, hein. Voilà. Ça, c'est une technique pour obtenir de la chaux rapidement, c'est de la broyer au marteau. C'est instantané. C'est ce qui marche le mieux, mais bon. Il me faut. Ça consomme de l'endurance sur votre marteau, quoi, donc ça consomme des ressources. Là où la meule ne consomme rien du tout. Quoi. Bon, je vais déjà lancer une tournée. Avec une seule peau, c'est tout. Il n'y en aura pas beaucoup, mais au moins. On commence. On va faire quelque chose, quoi. Puis c'est juste pour 20 heures, on survivra. Là où après ça va être un petit peu plus embêtant. Voilà. Maintenir 47. On va se préparer à manger. Quelque chose d'un poil plus consistant que juste des baies. On pourrait se faire ça. Donc, 5, coup de 5, pourquoi pas. Avec de l'épeautre. Et du sel. C'est la viande coriace, donc ça, c'est non, ça se cuit au feu. Ouais, c'est ça, là. Ça convient pas aux recettes. On la fera griller. C'est pas grave. Si je mets ça, ça et ça,
que j'allume mon feu. Ok, c'est cuit. Bon, c'est parfait. Ce qu'on peut faire attendant que ça cuise, c'est se préparer quelques pointes de flèche, on va dire. Pour prendre un autre arc. Alors, oui, on n'a pas les plumes. Mais en soi, on va aller chercher des poules. Si ça tourne un peu dans le truc là. Ah, une trentaine de flèches, ce sera très bien pour commencer. Dormons. Allez, hop, ça se dégage. Tu crèves? Allez, l'autre il fuit, c'est très bien. Même pas une petite ficelle dans sa mine. C'est bon, vous êtes calmé? Ça c'est bientôt fini. On va voir ça plus tard. On va aller relever les pièges. On va arroser déjà un petit coup. Oh, il y a des biches. C'est bien ça pour le...